que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un autre cheval du club. Et il s'agit de Mikado. Donc Mikado est un hongre né en 2000, donc il va avoir 16 ans. C'est un selle français section A, il est bai et il mesure environ 1m68. Au niveau de ses qualités, alors bon, pour moi, sa principale qualité, c'est vraiment qu'il a peur de rien, notamment en extérieur, c'est vraiment une assurance tout risque, ce cheval. Il y a très très peu de choses qui vont lui faire peur, qui vont lui faire faire un écart. Vraiment, c'est un cheval très très sûr. Il est adorable d'une manière générale, voilà, c'est un cheval qui bouge pas. Il est pas spécialement câlin, mais il se laisse faire. Franchement, c'est une bonne patte. À la monte, il connaît également très bien son métier. Il sait bien faire voilà, tout ce qui est session, épaule en dedans, etc. Hanche à l'intérieur, hanche à l'extérieur, tête au mur, tout ça. Voilà, il connaît. Et une fois bien réveillé, il est très agréable à travailler. Au niveau de ses défauts, alors son principal défaut est qu'il est extrêmement, extrêmement, extrêmement froid à la jambe. Faut vraiment bien le réveiller en début de séance parce que sinon on galère un petit peu. On galère pendant un petit moment, enfin pendant même toute la séance. Il faut vraiment s'axer au début de la séance sur le réveiller, le réveiller, le réveiller parce que sinon c'est franchement pas agréable pour le reste de la séance. Et un autre petit défaut, c'est qu'il n'est pas spécialement froid à l'obstacle. Donc Mikado, il faut savoir que c'est un cheval qui sortait sur des très grosses épreuves. Il a déjà fait des 130, 140. Mais il a été un petit peu blasé. Et c'est-à-dire que maintenant, voilà, il peut très facilement refuser sur 50, 70, 80 cm. Si on ne l'encadre pas et surtout si on n'a pas assez de jambes. Parce que l'encadrement encore c'est une chose, mais c'est surtout si on ne le fait pas assez avancer. Ou, ce qui m'est déjà arrivé, si on passe les épaules devant, il n'y va pas. Il s'arrête et donc faut être bien à sa place et bien le faire avancer. Sinon, il est probable qu'il s'arrête. Donc voilà, c'est ses deux plus grands défauts. Mais honnêtement, sinon c'est un cheval très gentil et très très sûr, très sécuritaire. Donc voilà, moi quand je travaille avec lui, je travaille surtout sur l'impulsion. Vraiment l'impulsion c'est mon objectif numéro 1, je pense que vous l'avez vu pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo sur comment j'organise une monte libre. Et voilà, c'est principalement ça avec lui qu'il faut travailler si on veut avoir une bonne séance et voilà, donc, si on veut pouvoir travailler correctement, c'est vraiment l'impulsion, l'impulsion, l'impulsion. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour Mikado. On se retrouve très bientôt pour la présentation d'un autre cheval. Gros bisous!